Donc je vais faire quelque chose d'un peu périlleux, mais puisque j'ai accepté de le faire, je ne vais pas m'en plaindre, qui est de parler d'un projet personnel qui a démarré parce que enseignant, critique et théoricien de l'art, artiste, j'ai comme beaucoup d'entre nous ici ce matin, mais était amené au fil des années à donner une série aujourd'hui plutôt nombreuse de conférences. Et petit à petit, le caractère assez rituel de ces réunions s'est imposé à moi avec force et aussi leur caractère ordinaire. La conférence est acceptée socialement comme allant de soi. Elle est distribuée en des lieux très nombreux de la société, pas seulement universitaire d'ailleurs. Et elle propose un curieux mélange, je dirais, d'une part d'acceptation de l'autorité. Le conférencier est un sujet supposé savoir de quoi il parle, et il bénéficie à ce titre en général de la bienveillance de son auditoire. Et puis aussi, il y a une sorte d'invisibilité de la dimension performative de la conférence, qui est pourtant tout à fait réelle. Une fois pris en compte l'ensemble de ces facteurs, la question n'est donc pas tellement de savoir s'il existe des conférences qui seraient susceptibles d'être artistiques à titre spécial, elle serait de comprendre pourquoi l'activité ordinaire des conférenciers est habituellement classée comme étrangère au domaine de l'art. Et c'est en partant de ce constat et avec l'envie, une certaine frustration à l'égard des limites habituelles de l'exercice, c'est ce double constat qui m'a amené à composer, et pas tout seul, j'ai collaboré avec un artiste, lui aussi suédois, Leif Elgren, et puis vous verrez aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont là sur scène, en particulier Sarah Aguilar, et puis et Jennifer Verres qui tenait la caméra qui fait partie du dispositif. Donc j'ai composé une conférence engloutie, qui se proposait, en les tordant de diverses manières, de mettre en relief les attendus qui président à l'organisation et à la performance habituelle de ces réunions. En même temps, cette conférence avait aussi un sujet et des motifs moins abstraits. Il s'agit en effet de la reprise, à quelques différences d'expression près, minimes, d'une communication intitulée « Marcel Brotars, la moule, la sirène, la Lorelei », que j'avais d'abord effectué et, si je puis dire, testé dans un cadre on ne peut plus universitaire, le colloque « L'artiste et sa muse, mythification du créateur et de son modèle, 19e-20e siècle », qui s'est tenu en mars 2005 à la Villa Médicis à Rome. Cette conférence, qui est devenue le point de départ d'un livre, a donc donné parallèlement lieu à l'élaboration d'une conférence-performance qui doit beaucoup au sujet initialement traité. Les motifs protersiens mis en relief et analysés dans la conférence initiale informent en effet, et beaucoup plus que je ne le pensais moi-même lorsque je l'ai faite la première fois, bien des traits de la seconde. J'en donne ici quelques-uns après Michael Newman. La liste est incomplète et injuste. La réification du langage par la mise en image que pratiquent les arts visuels, en particulier l'image comme interdiction de la lecture, dont il nous a déjà parlé. La façon dont la figure de la muse, réinventée par le 19e siècle poétique, incarne cette réification, ainsi qu'une figure subalterne de la femme. Le statut du poète et celui de l'artiste, confronté à, et souvent complice de, processus de réification typique de la modernité. La possibilité d'une poésie critique, enfin celle d'une politique mélancolique liée à l'invention poétique, tout cela passant par des motifs et des figures spécifiques, souvent maritimes et liquides. La moule, la méduse, la Lorelei, le pêcheur, le naufrage, et puis d'autres figures encore qui mettent en jeu la reproduction, toujours la moule d'ailleurs, mais le stéréotype, le téléphone, le journal, le perroquet, et j'en passe. Pendant les 10-15 premières minutes de cette conférence qui dure environ 50 minutes, je serai plus court aujourd'hui, rassurez-vous,
La conférence performance présente presque tous les aspects d'une conférence classique. Et pour vous en convaincre, je vais vous passer un extrait du début. Donc, si on peut passer le premier extrait. Amis de l'art et de la culture, chers amis, en cette année où nous célébrons le 33e anniversaire de sa mort, nous voici réunis ce soir pour honorer l'un des grands poètes et artistes belges du XXe siècle, Marcel Brotars. Pour mener à bien cette pieuse entreprise, j'avais pensé choisir pour fil conducteur l'examen des relations du poète avec la muse. Après tout, y a-t-il outil plus adéquat pour rendre hommage à un poète qu'une invocation à la mythique, à l'éternelle inspiratrice? Mais un scrupule tardif m'a rejoint tout à l'heure. Ce choix a priori si judicieux est-il ce soir justifié? S'il existe en effet une œuvre tout entière arc-boutée contre les mythifications de l'artiste et de son inspiration, c'est bien celle de celui qui déclarait avec humour, dans le carton aujourd'hui célèbre invitant au vernissage de sa première exposition, en avril 1964, à la Galerie Saint-Laurent à Bruxelles, « Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. Cela fait un moment déjà que je ne suis bon à rien. Je suis âgé de 40 ans. » L'idée enfin d'inventer quelque chose d'insincère me traversa l'esprit et je me mis aussitôt au travail. Au bout de 3 mois, je montrai ma production à Philippe-Édouard Toussaint, le propriétaire de la Galerie Saint-Laurent. « Mais c'est de l'art, dit-il, et j'exposerai volontiers tout ça. »« D'accord, lui répondis-je. Si je vends quelque chose, il prendra 30%. » Ce sont, paraît-il, des conditions normales, certaines galeries prenant 75%. Ce que c'est, en fait, des objets. Imprimé recto verso sur le papier glacé de pages de magazine remployées pour l'occasion, cette déclaration place d'emblée l'activité de Brotars sous un triple patronage, celui de la Voilà. Alors, la conférence a un aspect assez classique, au moins du point de vue du discours tenu, peut-être par l'introduction un peu désuète qui offre quelques signes de décalage. Mais il n'y a pas de brouillage, tout est clair. Et de fait, il est important que le public ait le temps de rentrer dans un discours qui demeure le fil conducteur de toute la pièce, de bout en bout, sauf tout à la fin. Quand les mots prononcés commencent à devenir difficilement audibles, il faut que les gens aient envie de lutter contre ce brouillage et fassent effort pour continuer d'écouter. Et ça n'est possible que si l'on s'est vraiment installé dans le discours tenu. En même temps, la conférence se distingue d'une conférence classique sur le plan scénique et visuel, et présente sur scène pendant toute sa durée une jeune femme dont le rôle et la position ressemblent plutôt aux fonctions de la comparse d'un prestidigitateur, installée aux côtés du conférencier, comme lui derrière un pupitre. Elle a pour tâche de présenter au public les images qui servent d'appui aux propos. Celles-ci ne sont pas projetées depuis un ordinateur, de manière plus archaïque, elles sont imprimées sur des feuilles de format A3, trop petite pour être vue en détail par le public, et lorsque le conférencier lui fait signe, d'un geste muet, elle présente à bout de bras une de ses feuilles à la salle avant de la froisser en boule et de la jeter à terre une fois qu'elle a servi. Le conférencier fait de même d'ailleurs avec les feuillets de son texte. Une caméra placée vers l'avant de la salle filme les images présentées en même temps que le geste de présentation, ce qui permet leur projection sur le grand écran placé en fond de scène. Lorsqu'il n'y a pas d'image en cours, la caméra filme de manière alternée 3 drapeaux, belge, français et allemand, qui sont du même coup présents presque en permanence comme fond de scène. Ces drapeaux figurent les nationalités des principaux protagonistes invoqués par Brotars. Ils insistent sur un aspect peu à la mode dans l'art contemporain de l'époque, mais fortement travaillé et de façon critique par l'artiste.
Ils donnent par ailleurs à la scène, lors des moments parfois longs où on les aperçoit, un aspect de meeting électoral plutôt distrayant. Vers la 11e-12e minute, des bribes de mots ou de phrases prononcées par la voix du conférencier commencent à revenir en écho. Le phénomène s'intensifie petit à petit jusqu'à ce que cet écho acquiert la consistance d'un second discours prononcé par la même voix, mais avec un décalage temporel, lui-même variable. À partir de la 13e minute, démarrent d'autres sons musicaux. Ils accompagnent, bercent, interrompent, voire empêchent le discours du conférencier et provoquent lentement l'engloutissement de la conférence. Ce processus n'est pas continu, il y a quelques pauses et des retours d'intelligibilité, mais il se poursuit avec régularité jusqu'à la coda de la performance. Je vais en donner un deuxième exemple. L'ambition d'une mise en scène si rituelle, exacte, avait en effet déjà pour moteur une réflexion politique sur la place de l'art dans le jeu social contemporain. C'est confronté à l'universel reportage, à la magie publicitaire des étalages et de ventures, plus généralement des formes de narration, d'enseignement ou de description qui toutes reposent sur leur équivalence avec l'échange monétaire, que la poésie joue pleinement son rôle. Rendre aux mots rendre qui peut mots vicieusement se stéréotyper, sa mobilité, et par ce biais, le soustraire à l'habituelle équivalence entre échange monétaire et échange de pensée qui identifie le dire à sa fonction numéraire facile et représentative. L'obscurité réputée de la phrase malarméenne qui a pour instrument principal l'espacement cherche avant tout à ébranler ce système. Elle lui substitue les classes variables que dispose un fil conducteur soustrait aux obligations d'un parler qui n'a trait à la réalité des choses que commercialement et voué au contraire à la virtualité de la fiction procédée également de l'esprit d'esprit. L'espoir que placer Mallarmé dans la vertu politique d'un travail de mise en scène spatiale du sens a pourtant fait long feu. Près d'un siècle après ses tentatives, triomphe à l'état social, où la simulation des valeurs artistiques, des valeurs commerciales s'est accentuée, sous l'égide d'un impérialisme des arts plastiques, qui, loin de déjouer le phénomène. Je l'ai dit déjà, il n'est pas anodin que ce soit Brotars qui se fasse ainsi engloutir, puisqu'il s'agit d'un artiste qui a mené un travail critique sur l'institution et ses intermédiaires, qui a pointé les mécanismes d'instauration de l'histoire de l'art. Et son travail rend manifeste que bien des discours critiques sur l'art sont rendus impuissants par les circonstances mêmes dans lesquelles ils se produisent. Il y a en particulier un mensonge énorme qu'incarne l'idée romantique de l'artiste génial. Et c'est en opposition à ces constructions superstructurelles que Brotars a énormément interrogé la figure de l'artiste impuissant, menacé, dans les sociétés contemporaines. Une part importante de son travail concerne la censure du langage, mais aussi la possibilité que quelque chose puisse malgré tout, c'est le « je sais bien, mais quand même » qui a été mentionné déjà, que quelque chose puisse malgré tout être entendu dans les conditions sociales qui sont les nôtres depuis le XIXe siècle. Mulmus Médus propose une incarnation littérale de ces questions. La mise en abîme, ou peut-être tout simplement une tentative de démonstration exemplaire de ces processus maintenant vécus. Elle démarre comme un discours qui va expliquer, déplier des significations pour le bénéfice des gens qui sont venus l'écouter. Mais plus ce discours avance, plus il devient difficile, voire impossible à entendre, en un sens à la fois littéral et métaphorique. Ainsi, si le conférencier démarre en position de pleine autorité, et s'il continue d'exercer jusqu'au bout sans scrupule cette autorité sur sa collaboratrice ou muse impassible, l'irruption puis l'installation du discours enregistré de sa propre voix le confronte de façon de plus en plus intense à une compétition avec la machine qui remet justement en cause cette maîtrise. D'abord vécu comme simple écho ironique ou grinçant,
Ce redoublement change par ailleurs de nature à partir du moment, qui intervient assez tôt, où la voix enregistrée se met à précéder celle de l'orateur. Celui-ci semble alors répéter la leçon donnée par la machine, comme le perroquet convoqué plusieurs fois et sous diverses formes par Brotars. La suite de la conférence fait alterner ces modes, où les faits à l'occasion coïncidaient. Walter Benjamin, qu'avait lu Brotars, écrivait de l'acteur de cinéma qui ne joue pas devant un public, mais devant un appareil. Et il poursuivait, jouer sous les feux des sunlight, tout en satisfaisant aux exigences du microphone, c'est là une exigence des plus difficiles. S'en acquitter, c'est en face de l'appareil, sauvegarder son humanité. Le conférencier se voit ici confronté à une expérience semblable d'attelage à une machine, avec la fragilité et les menaces d'échec que cela implique, la bande enregistrée du discours ne variant, elle, jamais de sa trajectoire. Il devient de plus en plus difficile de se déterminer lequel des discours produit ou reproduit l'autre, lequel le dédouble, d'autant qu'un nouvel élément de parasitage intervient, on en a vu un petit peu dans cette séquence, les images d'une première occurrence de la conférence dans la même salle 3 ans auparavant. Elle-même brouillée, proche de ce qui se passe sur la scène et pourtant reconnaissable comme différente, elles interviennent de façon aléatoire et croissante dans le progrès de la conférence, posant la question de la place du moment présent et de la performance en direct dans la lignée qui se constitue petit à petit et qui paraît, elle aussi, l'engloutir. Un mot, enfin, du son, et en particulier des sons non discursifs qui engloutissent progressivement la performance. À deux exceptions près qu'on entendra, les sons de la pièce ont été composés par Leif Elgren et par moi-même. Une bonne partie d'entre eux évoquent un environnement portuaire, industriel et métallique, maritime et plutôt nocturne, en résonance avec plusieurs motifs brotersiens et d'Europe du Nord. Les motifs du naufrage, du flot et de la mer ont une grande importance chez Brotars. Comme en témoignent des titres comme « Un voyage en mer du Nord » ou « En lisant la Lorelei ». Outre les effets propres qu'à la mise en rapport du discours critique avec les sons et leur mode de présentation, la performance permet de ne pas se tenir dans une position proprement scientifique. On en revient à une situation très simple. Quelqu'un vient se placer devant d'autres pour parler. Il fait des choses et des gestes qui interdisent qu'on puisse stabiliser la situation dans un registre plutôt que dans un autre. On pourrait dire que c'est parodique, à condition de penser la parodie comme une forme sérieuse. Il s'agit moins ici de se moquer que de rejouer une chose avec une différence, si possible, porteuse de sens. Cette attitude permet de se rendre compte que la séparation artiste-théoricien est fabriquée par les lieux où se tiennent les discours et par les postures qu'adopte le conférencier, mais aussi les publics et les institutions invitantes. Tous les discours tenus dans le colloque romain où a été originellement prononcée la conférence se présentaient comme produisant des résultats scientifiques, le mien compris. Dans la conférence performance, le texte se présente de telle sorte qu'on ne peut plus l'entendre exclusivement comme prétendant à la vérité, et cela alors qu'il est à un ou deux détails près strictement identique et continue de réclamer une écoute tout aussi sérieuse. Je parle aussi imperturbablement que possible pendant tout le temps de la conférence, sans changer de ton, malgré les interruptions, le bruit qui monte autour, tout ce qui empêche en principe la concentration. C'est la dimension burlesque, je dirais kittonienne, de Moule Muse Méduse. Et par ailleurs, il y a toujours un dernier carré d'obstiné dans le public pour tenter d'écouter jusqu'au bout le discours qui tente de s'énoncer. En même temps, les gens venus écouter un expert sont déçus, et ceux qui sont venus assister à une performance artistique le sont souvent tout autant. Ce qui se passe sur scène n'est pas assez spectaculaire. Il y a là une théorie de la déception en œuvre que je rapprocherai peut-être du withdrawal dont parlait Michael Newman. Une stratégie qui est assez affine avec celle de Brotars. Alors, la seule chose qui change un peu de registre, c'est l'extrême fin de la pièce. J'avais pensé terminer en vous la montrant, mais je ne sais pas si en faisant ça, j'empiète sur le temps possible ou, non, ça va. Ou pas.
Oui. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous pouvez montrer le dernier extrait, en, pas le troisième, mais le quatrième et dernier. C'est la fin de la conférence. Arrêtez. Le temps de les amener à les dossiers est pris en considération. Des sciences qui renvoient au processus d'intention et récit. Ces processus conservant eux-mêmes leur mouvement et leur élan plastique. Donner à expérimenter la signature temporelle de ces processus, c'est rendre possible leur examen. Par-delà la puissance de l'imagerie visuelle sur laquelle ils s'appuient. Et cela, sans imposer une analyse discursive rédimée. Autrement dit, sans dispenser le spectateur de son travail qui importe, réfléchir. Plutôt que de dénoncer abstraitement une situation à laquelle elle est incapable à elle seule de porter remède, une telle démarche rend perceptible, grâce à l'information que donne un produit spécifique, l'insistance de données autrement devenues invisibles. Cette méthode interdit bien évidemment de conclure. Aussi ne chercherais-je pas maintenant à offrir une improbable conclusion et à démentir par l'efficace du travail que j'ai tenté de mettre en évidence. Je me contenterai de faire entendre une dernière fois la litanie séductrice de la sirène. Amour, métal. Avant de l'augmenter une seconde proche d'Italie. Celle-ci conclut le document officiel qui inaugure un autre jour ironique, lieux et muses. Le département des aigles, musée d'art moderne, ouvert en 1968 par Brotars et clos par ses soins pour cause de faillite, 4 années plus tard. Objet, métal, esprit. 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 Objet, métal, esprit.
Bien, nous avons donc eu le temps pour le débat, pour les discussions, pour les réflexions. La parole est à vous. Les micros sont sur place. Oui, ils sont là. On peut commencer. Ok. On va commencer par la table. I was fascinated with what you just showed, insofar as it's kind of lecture performance, which is something that is also done by artists. One might think of Mark Leckie and other people like that. It makes, in a sense, makes critique into performance. And I'm wondering how the different senses of performance would relate to each other. I mean, on the one hand, you know, one could see it in the context of the idea of the performative from Austin, you know, that critique doesn't simply describe, it does something. You know, it does something which is partly based on, I guess, the authority of the critic. I mean, it changes something in the world. On the other hand, you also see are clearly playing with the idea of spectacle. So critique as performance becomes spectacle in a sort of self-conscious way. I hadn't anticipated that metal in objet, metal esprit, would be metal music, but also critique as performance, playing with the kind of performance that seeks to, in a sense, itself play with and disrupt the notion of performance in some, at some level. So I thought that was very interesting. But really the question is about what does it mean to turn critique into performance in the sense, on the one hand, of the performative, and on the other hand, of the risk of it becoming spectacle. Well, I think that's why this lecture performance, I've done others since, but the shape it took is really linked to Brotas's work, because I think he's someone who whose work really engages with just these issues, these very issues of is a critical discourse is an efficient, I mean, is critical discourse possible as something that will have an effect in society, transforming effect? And of course, he was rather pessimistic about it, even though, quand même, and he also worked a lot, especially in these late projects that are the subject of the conference, of the lecture, about spectacle in it, and basically how Romanticism is the beginning of spectacle. And he worked on this very well-known poem of Heine, the Lorelei, which is, and he shows that it's already based on tourist guide for the Rhine region from the early 800s, so that this beautiful poetry that every German child learns in school, is, and that's supposed to be the epitome of Romanticism, is actually a kind of a product of the time, and with the at a time when the Rhine was one of the first real touristic regions in Europe. So so yes, it was really linked to this specific topic. And as to what it does, I'm probably the worst person to be able to talk about it right now. It's difficult to be one's, I mean, it's not recommended to be one's own critic.
Nous avons donc à la fin une personne qui nous demande la parole. Ça marche, oui. Oui, bonjour. En fait, Jean-Philippe, Antoine, évidemment, ne peut pas répondre, is incapable to answer your question, because it's the other one who should answer. C'est le Jean-Philippe enregistré qui pourrait éventuellement répondre à la question. Dans le phénomène de redondance de cette philo-performance à laquelle on vient d'assister, en fait, doublement, puisque tu viens de mettre en scène un événement qui s'est produit il y a déjà quelques années et qui avait déjà ce dispositif Vache-Kiri en miroir, Jean-Philippe Antoine parlant, Jean-Philippe Antoine sur Jean-Philippe Antoine, avec ce passage du discours à ce passage du linguistique à la performance audiovisuel du discours. Et donc, ça entre parfaitement dans cette destruction ou de ce transbordage ou disparition du port 18e de l'esthétique critique spectaculaire et visuelle. Le dispositif, il est audio, il est caméra digitale enregistrée et la parole que tu mets en scène par cette redondance hilarante, eh ben, elle disparaît, elle s'émiette, elle se désintègre. Alors, ma question, c'est, en dehors du burlesque, de l'effet un peu machinal, machinique, en dehors du contestataire rigolo, comment tu vois la production réelle, la production de sens, et même comment ça rejaillit? Comment ça transforme ce que tu aurais dit, ce que tu démultiplies ainsi, le disant? Et comment tu te détaches du grand artiste Brotaert, ce qui est quand même mis en scène comme ça, avec dans cette exemplarité, l'homme discourant, la femme muse, montrant son corps, son visage. Comment ça se Jean-Philippe Antoinise, tout ça? Voilà. Bon, très franchement, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la dernière question. Mais peut-être je reviendrai vers le point de départ, c'est-à-dire d'une part une sorte de frustration que j'imagine ne pas être le seul à éprouver devant certains aspects très rituels des conférences. Donc je crois que là, en décalant certaines choses, déjà on les rend visibles alors qu'ils sont très acceptés. C'est peut-être une bonne chose. Et après, il y a quand même une dimension alors, qui sort du discours tenu. Donc je tenais quand même, c'est pour moi important que ça reste absolument identique, qu'il n'y ait aucune concession par rapport à d'autres types de discours. Mais c'est pas très sensible lorsqu'on entend quelques extraits simplement, surtout qu'au bout d'un moment, j'ai montré des extraits déjà assez avancés. C'est très très progressif, hein, cet engloutissement. Et je pense que la durée est importante dans ces cas-là. Alors là, pour le coup, il y a des moments assez émouvants, mais dans la durée. C'est pas quelque chose qu'on peut sentir comme ça. Et ça, donc, ça, c'est quelque chose qui est pas du tout, enfin, qui diffère véritablement du reste. Et là, moi, je reviendrai peut-être sur des choses qui ont été dites ce matin, je crois pas. Pratiquement par nous tous, sur la question de l'affect, de la critique, comme déjà à la fois produit d'un affect. Parce que la caractéristique quand même du discours critique, c'est d'avoir un objet. On parle, on fait quelque chose parce qu'on a été affecté par un objet. Soit très positivement, soit aussi, ça peut être de la colère, même si en général, je crois que tout le monde
sera d'accord pour dire qu'on n'adore pas critiquer des choses qu'on n'aime pas. C'est un peu une perte de temps souvent, sauf s'il y a un motif socialement intéressant de s'indigner. Et voilà. Mais, et puis c'est quelque chose qui est quand même censé produire un affect, pas forcément le même d'ailleurs, chez les gens qui vont lire ou enfin, recevoir la critique, je crois. Mais là, peut-être qu'il serait... Je devrais passer la parole à d'autres personnes sur cette table. Il y a quelqu'un dans la table pour prendre la parole, parce que là-bas, on a une personne aussi. Le micro là-bas, s'il vous plaît. Ce qui me semblait quand même important dans la présentation justement de cette lecture performance, c'est l'usage de la vidéo et du faux direct, ce qui permet justement d'introduire quelque chose qui, me semble-t-il, distingue cette lecture performance d'autres types de performances qu'on a pu entendre. Voir, c'est une forme pas tout à fait récente, mais bon, relativement nouvelle quand même, enfin de l'appeler ainsi, lecture performance, conférence. Et l'usage de la vidéo et de la parole, le circuit fermé est très important, ou le faux direct, la boucle qui se crée, et du coup qui... comment dire, qui permet aussi de travailler Protars et l'humour de Protars et Protars par rapport à Duchamp autrement, et de nous situer dans un présent de la critique. Donc je voulais savoir comment tu as travaillé justement avec Leif Eigren cette position critique entre travail sur le son, sur l'image et la conception même de la critique ou d'une historicité justement de ces gestes autarciens. Alors avec Eigren, c'est très simple, parce que, il ne parle pas français, il n'a pas désiré que je lui traduise le texte de la conférence, donc ce qu'il a fait est fondé sur des sortes de connaissances vagues de Protars, mais c'est pas du tout un travail sur le texte. Par contre, moi, les sons que j'ai apportés, je savais forcément, j'avais une idée du rapport avec le texte. En même temps, peut-être le geste le plus fondamental et très très simple, c'est que le texte est préenregistré. À chaque fois qu'on a fait la conférence, je l'ai réenregistré de nouveau pour être dans le même rythme. Et après, c'est un simple jeu. C'est vraiment ce que j'ai décrit. C'est un jeu, être devant ou derrière, en sachant que comme ça commence au bout d'un quart d'heure. Je ne sais pas exactement si je vais être en avance ou en arrière par rapport à la machine, et qu'il faut s'ajuster. Voilà. Puis après, une fois, c'est vraiment une sorte de jeu qui est très déconcertant pour le public, parce qu'en général, les gens ne comprennent pas du tout. Quand ils entendent la machine devant, enfin, en général, on entend d'abord un écho, et puis tout d'un coup, l'écho se met à parler avant le performeur en direct, et ça, c'est... Il y a des gens qui m'ont demandé comment j'avais fait, mais bon, c'est très très simple. Donc il y a ce jeu-là principalement. Mais je crois que, enfin, par rapport à Protars, c'était assez intuitif au départ. Aujourd'hui, je suis capable de donner des raisons que je n'étais pas capable de donner quand je l'ai fait. Et ne pas savoir, on a parlé de ça aussi tout à l'heure, enfin, moi je pense que c'était assez important. Déjà, par exemple, le point de départ de la critique
de vouloir écrire, faire quelque chose parce qu'on ne sait pas. Pas parce qu'on sait, mais justement parce qu'on ne sait pas. Et parfois même parce qu'on a, on sait même pas ce qu'on a éprouvé. Jean-Michel Fredot en parlait, mais je crois que